September we met. I can tell by your smile. Voilà. Les bienfaits du romarin, il a beaucoup de bienfaits. Donc je vais en enlever, je vais les planter chez moi. J'ai enlevé plein de plantes grasses, je vais les planter dans un pot. On décompte la nature, ça pousse sur les rochers. Après, de temps en temps, vous voyez un rocher qui éclate. Il pousse sur le rocher et en plus, il y a du thym avec. Je crois qu'il y a même du laurier. Je reviendrai si les fleurs elles sont jolies, j'en plante. Se trouve sur cette petite montagne de Zaltire et je vous filmerai l'église de Notre-Dame de Beauregard. Il like, il lève le doigt et ils disent j'aime, j'aime. I used to be chill. Now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. Barbare de partout pour faire des partout. Regardez les cerisiers fleuris et aussi les pissenlits. Les pissenlits, les feuilles, on les mange en salade. Pareil. Je vous dirai qu'est-ce qu'on fait avec la racine et la fleur. Mais la salade de pissenlits, on reconnaît la pissenlits. La salade de pissenlits. Et je vous ai parlé tout à l'heure des orties et leurs bienfaits. Il y a devant et derrière la maison une robine de chat. Il y a le mari et la femme. Le mâle et la femelle. Le rousse et le mâle et la grise. Ce soir, je vais faire une assiette de salade sauvage pour mon mari. Il aime ça. Voilà, ça c'est Notre-Dame de Beauregard. C'est le parc naturel des Alpes en Provence. Là, ça fait partie des Alpes. Voilà. Là, on la voit mieux, Notre-Dame de Beauregard. Et ça, c'est des anciens châteaux. Voilà. Regardez la nature. Des arbres qui poussent sur les rochers. Et des fois, vous voyez un rocher qui éclate. Parce que quand l'arbre il grossit, eh ben, ça casse la roche. Eh ben, des fois, vous voyez sur la route des rochers qui tombent. Donc moi quand je passe à cet endroit, des fois j'ai peur que ça me tombe sur ma voiture. Voilà, c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore, regardez. Des pins qui poussent sur les rochers. Une autre fois, je vais essayer d'aller
dans un endroit qu'on appelle ça des maisons troglodytes, que les anciens, eh ben, ils habitaient dans des grottes, des maisons dans les rochers. Une autre fois, je vous ferai une vidéo sur ça. Trop beau. Voilà ma balade. Je balade au parc régional des Alpilles. C'est à côté de chez moi. Donc là, ça c'est du romarin fleuri. Voilà. Regardez comme c'est beau. On respire l'air frais. C'est trop beau. Tout ça, c'est à côté de chez moi. C'est pas loin de ma maison. Normalement, il y a du thym aussi. Il y a les plantes grasses que j'ai ramassées l'autre jour. Ça, dans un pot, ça fera très joli. Ça va tomber. J'en ai ramassé, je les ai plantées. Je vais essouffler parce que j'ai marché. Je peux pas trop marcher. Je cherche si je trouve du thym. Que des pins, que des pins, que des pins. Voilà, ça aussi c'est du romarin. Ça sent bon. Ah voilà, il y a du thym. Il y a du thym pour parfumer la viande ou des rôtis. Je vais en arracher, je vais les planter chez moi. C'est à côté, mais moi je préfère que je les ai à côté. Ça c'est un zaïtra. Je vais les planter dans ma maison. Regardez, des escaliers en pierre. Voilà, je vais arracher un peu de thym. La forêt nous donne beaucoup de choses. Il y a plein de plantes comestibles. Voilà. Le thym, on l'utilise en tisane. C'est très bon quand on est grippé. Et il a beaucoup de bienfaits. Le romarin, eh ben, pareil. Quand on est grippé, on fait des tisanes de thym. C'est un désinfectant. Quand on a le nez bouché, on prend le thym et on fait des bains. On met de l'eau à bouillir, on met du thym dedans et on met une serviette. Ça dégage le nez. Vous voyez, il y a l'air frais. Là, on respire l'air frais. Regardez-moi ce paysage. Voilà, je vais aller dans ma voiture. Trop beau. Voilà, le fameux lac où je vous ai fait la dernière fois la vidéo. Je mettrai ça. Alors, là, je suis au parc régional naturel des Alpilles. Voilà. Parc naturel régional des Alpilles. On n'entend que les oiseaux chanter, à personne. Personne, personne, personne. Que tout ce qu'ils aiment la nature, ils lèvent le pouce et ils disent j'aime. Moi, j'aime la nature. Trop beau.